Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Ces 3 et 4 septembre se tient à Beijing, le troisième forum de la coopération sino-africaine. Pour le Togo, cet événement signifiera le renforcement de ses relations avec le géant asiatique, un partenariat qui mettra notamment en avant la jeunesse et la sécurité au cœur des préoccupations. Au Cameroun, le vice-président du SDF, Joshua Ossi, fait partie des 9 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Il a présenté son programme qui inclut notamment la diaspora camerounaise. Et puis, Cotonou, la capitale béninoise, abrite la 9e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation, rendez-vous qui permet aux nouveaux bacheliers de mieux s'orienter dans leurs études supérieures. Mais tout d'abord, les Mauritaniens se sont rendus aux urnes ce samedi 1er septembre dans le cadre des élections législatives, régionales et locales. Processus qui a été qualifié de fiasco par 15 partis politiques, dont les plus influents de l'opposition. En effet, de nombreuses anomalies dans le nouveau système de vote mis en place par la CENI auraient été repérées selon les observateurs. À noter qu'il s'agissait des premières élections organisées par la nouvelle Commission électorale nationale indépendante. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Le forum sur la coopération Chine-Afrique s'ouvre ce 3 septembre à Beijing. Depuis sa création en 2000, il a permis de voir le statut de la coopération sino-africaine considérablement s'améliorer. Au Togo notamment, le président Faure Gnassingbé espère un nouvel élan au développement des relations entre les deux pays. Des relations qui mettent la jeunesse et la sécurité au cœur des préoccupations. Marcel Farba-Maron. Créé en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine est à sa 7e édition cette année et se tiendra les 3 et 4 septembre 2018. L'événement, organisé tous les 3 ans, permet de discuter des possibilités d'une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Fort d'un long partenariat à l'instar de plusieurs pays africains, le Togo et la Chine entendent promouvoir davantage le multilatéralisme et maintenir la stabilité dans le monde. Ce qui est à la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. La Chine y trouve son intérêt, et les Africains également. Face à ce qu'on voit dans le monde, le terrorisme, les changements climatiques, je voudrais que nous puissions en parler avec le président Xi Jinping, parce que je sais que son souci, comme le nôtre, c'est de préserver la paix partout où elle est possible, la rétablir là où elle est menacée et surtout promouvoir le multilatéralisme. L'évolution des relations économiques bilatérales entre le Togo et la Chine se poursuit à travers des programmes mis en œuvre pour la jeunesse. Cette dernière, qui représente plus de 60% de la population togolaise, ne cesse de jouer un rôle majeur dans la consolidation de ce partenariat. Plus récemment, ce qui me plaît dans l'évolution de nos relations, je vois qu'elle est de plus en plus axée sur des échanges entre les jeunes. Beaucoup de jeunes togolais ont la possibilité maintenant d'aller en Chine, soit pour se former, soit pour observer un peu ou apprendre un peu des expériences qu'il y a. En outre, le président Faure Gnassingbé a fait part de son soutien envers l'initiative Ceinture et Route, proposée par la Chine en 2013, visant à créer un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique le long des anciennes routes commerciales. Les préparatifs pour la présidentielle se poursuivent au Cameroun. C'est tour à tour que les candidats au scrutin d'octobre 2018 présentent leur programme aux électeurs. Le dernier en date, Joshua Ossi, le député investi sous la bannière du SDF, Social Democratic Front, a dévoilé une feuille de route axée sur 24 mesures. Les précisions avec Marcel Farba-Maron. À l'issue du congrès du SDF, Social Democratic Front, tenu le 24 février 2018, Joshua Ossi a été investi candidat de son parti en vue de la présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018, avec 88,39% des voix. Le député, qui en sera à sa première élection présidentielle, a annoncé un programme de 24 mesures qui inclut la diaspora camerounaise. Il y a des mesures pour la diaspora, il y a déjà la reconnaissance immédiate ou le rétablissement de la double nationalité, des mesures autour de la mise en place d'une agence nationale pour la diaspora, il y a des mesures autour de la condition, donc de la relation entre le gouvernement camerounais et cette diaspora-là. Avec au total 9 candidats, l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun verra une nouvelle fois la participation du président sortant Paul Biya, que d'aucuns considèrent comme favori. Un statut qui aurait pu être remis en question n'eût été le non-accord des membres de l'opposition camerounaise quant à la présentation d'un candidat unique.
Ce que je rejette, c'est l'idée donnée comme quoi la coalition est la seule clé de succès. Et je dis, on peut gagner l'élection présidentielle sans nécessairement être en coalition. S'il faut qu'il y ait une coalition, il faut qu'elle soit autour d'un programme politique. Pour l'instant, nous avons un programme politique. L'élection présidentielle au Cameroun se déroule au scrutin uninominal à un tour. En rappel, la campagne électorale démarre le 22 septembre 2018, soit deux semaines avant le début de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La sécurité des frontières est devenue l'une des préoccupations majeures des gouvernements dans le monde entier en raison de la montée du terrorisme international notamment. C'est dans ce sens que du 27 au 31 août étaient réunis à Accra les représentants des gouvernements togolais, burkinabés, kényans et ghanéens. Une rencontre consacrée aux échanges sur une meilleure collaboration et le partage d'informations entre les pays pour une gestion plus efficace de ce fléau. Retour sur cet événement avec Cheikh Omar Bandaogo. Une rencontre sur la sécurité des frontières entre trois pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique orientale. Du 27 au 31 août, les experts en sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Togo et du Kenya étaient en effet réunis à Accra, au Ghana, pour parler de la sécurité frontalière. Les ressources nécessaires aux pays qui sont directement concernés par le terrorisme sont tellement importantes que la recherche de ces ressources les amène à explorer toute opportunité qui se présente. À partir du moment où le sud du Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes à l'heure actuelle, donc automatiquement le nord du Ghana et du Togo sont aussi concernés. Pour le Burkina Faso, durement touché par le terrorisme depuis plus de 3 ans, c'est une nouvelle alliance dans la lutte contre ce fléau qui se crée, principalement pour le partage d'informations. Il est vrai que la multiplication des cadres de lutte contre le terrorisme minimise en réalité. Mais comme ce sont des pays, je parle de ceux qui sont concernés directement, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, les faiblesses budgétaires sont telles que d'où viennent les appuis, ils sont obligés de les prendre. Cette rencontre visait principalement à élaborer et adopter une approche intégrée de la gestion des frontières, l'amélioration des opérations, de la coordination et de la communication, de même qu'une capacité opérationnelle accrue des agences frontalières. Cotonou, la capitale béninoise, abrite la 9e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation. Ce rendez-vous permet de guider les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière à l'université, une aubaine pour ces derniers qui pourront ainsi opter pour des formations adaptées à leurs compétences. Lefty Ounou et Marcel Farbamaron. Le Salon des formations supérieures et de l'orientation SFSO a ouvert ses portes du 30 août au 1er septembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cette 9e édition a une fois encore mobilisé les différents acteurs du secteur éducatif supérieur par rapport à l'orientation, l'innovation et les perspectives des offres de formation. Le SFSO 2018 est axé sur le thème « Les formations à distance, une solution pour étudier chez soi ». Notre rôle, c'est de montrer les différentes opportunités de filières, déjà après le bac, mais aussi d'emploi. Cette école est une filiale de l'ESCAE, École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey. Elle a été créée au Bénin en 2012 et a formé environ 150 diplômés experts comptables. Ce que nous faisons au niveau du cabinet, c'est que nous basons sur les techniques d'orientation pour pouvoir donc aider les jeunes bacheliers aujourd'hui et même d'autres personnes, des étudiants ou même des personnes qui sont plus âgées, à faire vraiment le bon choix pour la carrière. Les organisateurs du Salon des formations supérieures et de l'orientation entendent s'investir davantage afin de contribuer efficacement à la résolution du chômage des jeunes. Ils plaident pour une vulgarisation et une pérennisation de ce rendez-vous. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.